Le Panzer 61 est un char moyen suisse de l'époque de la guerre froide reclassé. Par la suite, en tant que char de combat principal de deuxième génération. Le char a un poids de 36,5 tonnes et est propulsé par un moteur diesel de 630 chevaux, lui donnant une vitesse maximale de 55 km par heure. L'armement principal du char est un canon de 105 mm. Il fut en service au sein de l'armée suisse entre 1965 et 1994. Au début des années 50, l'armée suisse tente d'acheter des chars modernes pour renforcer ses forces blindées, ce qui, du fait de la guerre de Corée, s'avère impossible. En guise de solution provisoire, l'armée suisse achète à la France des chars légers AMX-13 et décide de développer un char moyen. Les premiers prototypes et véhicules de production sont désignés Panzer 58. Le premier prototype est armé d'un canon rayé de 90 mm. Le deuxième est équipé d'un canon ordnance QF de 20 livres britannique. Et le troisième prototype, ainsi que les modèles de production, sont équipés d'un canon rayé Royal Ordnance L7 de 105 mm. Le char a servi de la même manière qu'un modèle de pré-production du Panzer 61. Et, en 1961, le Parlement suisse a accepté la production de 150 chars Panzer 61. De 1967 à 1994, lorsque le dernier bataillon Panzer 61 a été rééquipé de chars plus modernes, les blindés ont été mis à niveau et modernisés grâce aux technologies retrouvées plus tard sur le Panzer 68. Plus perfectionné. Parmi les autres améliorations, le canon automatique coaxial de 20 mm, original du Panzer 61, a été remplacé par une mitrailleuse coaxiale de 7,5 mm dans la variante Panzer 61 AA9. Le Panzer 68-88 est un char de combat principal en service dans l'armée suisse de 1974 à 2003. Le char était basé sur le Panzer 61, dont le développement initial date de 1951. Le développement débuta immédiatement après l'introduction réussie du modèle 61. Les améliorations consistaient en des chenilles plus larges, un canon plus stable, et l'introduction d'une seconde mitrailleuse à la place du canon coaxial de 20 mm dans les premiers modèles de Panzer 61. Le Panzer 68 tient son nom du fait que l'Assemblée fédérale décida en 1968 d'acheter 170 véhicules.
les livraisons du char ont été commencées en 1971. En 1977, une seconde série a été fabriquée. Entre 1978 et 1983, une troisième et une quatrième livraison ont suivi. Les deux derniers lots ont été nommés soit AA3 et AA4 au Panzer 68-75. Le plus gros changement dans ces dernières livraisons a été l'introduction d'une plus grande tourelle. À la fin des années 70, l'armée autrichienne démontra l'intérêt pour le Panzer 68. Toutefois, elle décida de ne pas l'acquérir en raison des nombreux défauts rendus publics. En 1992, un programme de modernisation du Panzer 68 a introduit un nouveau système de contrôle au même niveau que celui du Panzer 87. Ces nouvelles versions furent appelées Panzer 68-88. Malgré les améliorations du char 68-88, le modèle fut relégué au second plan avec l'arrivée du Panzer 87. Tous les modèles 68 ont été retirés du service en 2004. Les autorités fédérales ont tenté de vendre 200 chars à l'armée thaïlandaise sans succès. Une partie des véhicules restants a été utilisée comme base de chars Pontonier 68. Lors de l'été 1979, Marcel H. Kaiser, journaliste de la Weltwoche, publiait un article à propos des défauts du Panzer 68. Le journaliste a reçu une copie d'une correspondance confidentielle dans laquelle le divisionnaire Robert Henner, alors chef des troupes mécanisées et légères, rapportait au chef de l'état-major les défauts du char. Le chef des forces armées suisses du moment arriva à la conclusion que le char blindé n'était pas un véhicule apte au combat. Un groupe d'experts chargé de produire un rapport sur l'état du char lista une douzaine de problèmes techniques. Le scandale de la Panzer Affair, qui en résulta, sera l'une des raisons qui conduira à la démission du ministre de la Défense de l'époque. Parmi les problèmes relevés, on peut citer la protection atomique, biologique et chimique, ABC, insuffisante, forçant les équipages à porter leur tenue de protection dans le véhicule. Ceci ayant pour conséquence drastiquement réduire les performances de l'équipage. Les experts ont aussi découvert que la boîte de vitesse ne permettait pas de passer la marche arrière sans que le véhicule soit à l'arrêt. Un autre défaut majeur était que la radio équipant le blindé interférait avec le système de contrôle de la tourelle, résultant en des mouvements incontrôlés de la tourelle lorsque la radio était utilisée à leur puissance maximale. Une année avant la publication de l'article à Weltwoche, un autre défaut dangereux a été découvert. La mise en marche du système de chauffage pouvait mener à la mise à feu du canon principal. Ce problème était causé par le fait que ces différents systèmes partageaient le même circuit électrique. Ce problème n'a jamais causé d'incident. La majorité des problèmes ont été résolus avec les améliorations du char 68-88.